les familles ont subi, subissent encore le contre-coup de cette crise sanitaire qui n'a pas fini de révéler l'ensemble de ses conséquences. Comme vous l'avez constaté, c'est un chiffre important, presque colossal, par rapport aux années précédentes où le coût de la scolarité, en tout cas les 5 dernières années, suivait le cours de l'inflation. C'est que si à cette prochaine rentrée la difficulté est la même, c'est-à-dire à savoir une partie en présentiel et une partie par télétravail, il faudrait que effectivement l'éducation nationale, voire l'État, se fasse en sorte que les familles soient équipées au moins d'une tablette pour par enfant, pour qu'ils puissent avoir accès directement à leurs professeurs. La revalorisation de l'ARS, malgré le coup de pouce de 100 euros, qui n'est quand même pas négligeable, il ne faut pas non plus se le cacher, ne va pas couvrir l'ensemble des dépenses pour cette année qui s'annonce, qui va être encore très difficile, probablement. Et pour les familles avec de nombreux enfants, c'est vrai que, par exemple, si on prend en compte ces masques, si des masques ne sont pas gratuits, ça va être un coût supplémentaire. Coût supplémentaire s'il faut à nouveau acheter des consommables, parce qu'il n'y a pas que l'ordinateur, hein, il y a aussi l'imprimante, le consommable, le papier, et tout cela va entraîner un coût pour les familles, et malheureusement, c'est à craindre, surtout pour les classes de lycée et de lycée professionnel, ça ne couvrira pas, c'est certain. Les familles ne sont pas sereines, non pas parce que les fournitures, bien sûr, ils ont eu une aide supplémentaire, ce qui veut dire que l'aide ponctuelle a été faite par l'État, peut-être que c'est une aide qu'il faut repenser différemment parce que voilà, les choses s'installent dans la durée et c'est qui est fort difficile pour l'ensemble des familles.